Bien, nous allons recommencer cet après-midi de conférences. Évidemment, l'Institut national d'histoire de l'art vous remercie d'être présent dans cet auditorium cet après-midi. Et nous accueillons maintenant François Lizarrag, qui est directeur d'études en anthropologie de la Grèce antique à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Il est spécialisé en iconologie et archéologie des images, domaine de recherche qui l'ont conduit à s'intéresser à des sujets très variés. Son dernier livre, paru en 2013, intitulé La cité des satyres revenait sur l'invention de cette figure mythologique et désormais il travaille à un futur ouvrage qui portera sur l'esthétique des corps héroïques en Grèce ancienne. Cet après-midi, il nous propose une conférence autour des formes grecques du partage, à boire et à manger. Nous allons tout de suite l'écouter en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne conférence. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Il fait beau dehors. C'était une journée tranquille et c'est quasiment héroïque d'être venu vous mettre dans le noir. Alors j'espère que vous n'allez pas regretter. Ce dont j'aimerais vous parler autour de ce thème du partage, c'est une des activités sociales qui est extrêmement importante en Grèce ancienne, qui est celle du banquet, du symposium. C'est-à-dire cette habitude de boire et de manger ensemble et de partager autour de ces moments-là. Il y a deux termes grecs qui désignent cette activité. L'une, c'est dais. Dais, c'est le banquet alimentaire. On a ça dès l'Iliade, dans Homère, on sacrifie des animaux et on les consomme, on les partage. Et pas seulement entre hommes à parts égales ou à parts hiérarchisées, mais aussi entre les hommes et les dieux. Et ce qu'on appelle la tusia, le sacrifice sanglant, c'est précisément l'abattage des animaux ritualisés, dans lequel on fait en sorte que l'animal ait au moins l'air d'être d'accord. On ne lui demande pas vraiment son avis, mais le rituel fait en sorte que l'animal soit consentant. Et du coup, on peut partager avec les dieux la fumée des graisses et des os, et entre hommes, la viande. L'activité la plus fréquemment représentée, ce n'est pas seulement celle du banquet proprement dit, mais du symposium. Pour des raisons assez évidentes, on a dans le monde grec archaïque et classique une énorme production de céramique. Et cette céramique, donc, elle est utilisée précisément au banquet. Et une bonne partie d'entre elles, pas seulement, mais on a très souvent des objets qui représentent ce banquet ou ce symposium. Et c'est ça que je voudrais un peu regarder avec vous. Peut-être en commençant par un objet que peut-être vous connaissez, qui est au Louvre, un de ces grands cratères. Donc, ce qu'on appelle un cratère, c'est un vase d'assez grande dimension. Ça fait souvent 50-60 cm de diamètre. Ça a une très grande embouchure. Ça contient 10-15 litres. Et c'est utilisé pour mélanger le vin et l'eau. Les Grecs ne boivent pas de vin pur. Ils considèrent que le vin pur est dangereux. Il est trop fort, trop... C'est un poison, un pharmacone, au double sens du terme, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui peut vous empoisonner si on l'utilise mal, mais qui peut aussi vous faire du bien si on l'utilise, comme on dit aujourd'hui, avec modération. Et cette recherche de l'équilibre est caractéristique des pratiques grecques du symposium. Alors, je parle là d'un modèle théorique. La réalité concrète, je n'ai pas pu me transporter dans le passé, voir comment ça se passait vraiment. Ce à quoi nous accédons, c'est ce que les Grecs en disent et en montrent. Donc on a quantité de textes, quantité d'images qui mettent en scène des activités de la vie sociale des Grecs. Et alors sur le cratère que je suis en train de vous montrer, donc cet objet qui sert à mélanger le vin et l'eau, on a une scène de bataille, des cavaliers, et de l'autre côté, une scène de banquet. C'est ça qui m'intéresse. Et donc cette première phase du banquet, celle dans laquelle on mange les viandes sacrifiées, comme je venais de la rappeler, c'est une activité qui est rarement solitaire. Je montrerai quelques exemples à la fin, mais on ne mange pas tout seul, on ne boit pas tout seul, on partage véritablement. Et ça construit les rapports sociaux et la société, la cité. Il y a un livre important de Pauline Schmitz-Pantel, avec laquelle j'aurais aimé parler si elle n'avait pas été absente de Paris. Elle a écrit, elle, un travail sur la cité au banquet. Et c'est un travail qui traite, à travers les inscriptions, de toutes ces grandes fêtes des cités qu'on connaît parce que tel citoyen a offert un grand banquet
a abattu tant d'animaux et a nourri tous les citoyens, et on le remercie. Et c'est comme ça qu'on connaît ces événements. Et donc, il y a des banquets civiques qui réunissent toute la citoyenneté. Alors, ça exclut les femmes, ça exclut les esclaves, donc ce n'est pas un monde parfait, loin de là. Mais c'est un monde dans lequel la nourriture n'est pas seulement un phénomène physique, il faut s'alimenter, c'est aussi un phénomène politique et symbolique. On est unis par ce partage et ce moment-là. Alors, sur l'image que je suis en train de vous montrer, on a une série de lits devant lesquels il y a des tables. Si je vous montre le détail, on voit mieux ici. Et c'est aussi une pratique un peu surprenante. Les Grecs ne mangent pas assis à table, mais allongés. Les Romains feront la même chose. C'est une pratique qui est relativement récente dans le monde grec. On la trouve dans le monde assyrien. Et les Grecs adoptent ça. C'est un mode un peu aristocratique. Dans le monde assyrien, c'est royal. C'est le roi qui est allongé. Ici, vous le voyez, les gens sont allongés sur des lits, le coude appuyé sur un coussin, un grand couteau à la main pour couper des morceaux de viande et des coupes à boire. Devant les lits, on a des tables. On a même des chiens attachés qui probablement signalent que ces personnages sont des chasseurs. L'image est particulière. Elle est accompagnée d'inscriptions. Pour ceux d'entre vous qui ont fait du grec et qui lisent le grec, vous avez peut-être un peu de difficulté parce que le grec qui est écrit là n'est pas celui qu'on apprend à l'école. Cet alphabet-là, c'est un alphabet corinthien. Et ici, on lit le nom de Eurytios. Donc, ce qui ressemble à un B est un E. Ce qui ressemble à un sigma est un iota. Peu importe. Ça nous donne des noms. Et des noms de personnages mythologiques, en particulier d'Héraclès ici. Alors, je ne m'embarque pas tout de suite dans les aventures d'Héraclès au banquet. Je garde ça pour la fin. Je me sers de cette image comme un peu un modèle pour décrire l'organisation matérielle et spatiale du banquet grec. Matériellement, on est sur des lits, avec des tables chargées de pain, de mets, de boissons. Les personnages se trouvent, vous devinez ici, un grand vase sur son piédestal. À y regarder de plus près, le revoilà. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce qui se passe sous cet anse. On a vu la scène de bataille de l'autre côté, mais sous l'anse, ici, on a une scène à la fois d'un cratère avec le vase à verser. Donc, comme je le rappelais, on mélange le vin et l'eau. Donc, on mélange 12 à 15 litres. On ne boit pas ça tout seul. Ça va être distribué et distribué avec cet énokoé dans les coupes qui sont sur les tables. L'autre forme de partage qui est plus rare, c'est ce que vous voyez ici sur une table. On est en train de découper un cuisseau. Vous avez là une sorte de gigot. Et puis, on découpe des morceaux de viande. Et c'est une des rares images où on a à la fois le partage de la viande et la boisson. Parce que, comme je l'ai rappelé en commençant, dais est un premier temps. Quand on a bien mangé, alors on change les tables et on se met à boire. Et nous avons davantage d'images du boire que du manger. Je vous emmène dans un sanctuaire de l'Attique, au nord d'Athènes, à l'est, nord-est d'Athènes, qui est à Brauron. Brauron, c'est un sanctuaire d'Artémis. Vous devinez une colonnade ici qui se termine là et qui revient dans l'autre sens. On n'a que le plan au ras du sol, mais c'est ce plan qui m'intéresse puisqu'il détermine toute une série de pièces dans cette stoa. Donc, stoa, c'est un portique. Et vous avez 2, 4, 6, 8, 10 pièces d'assez petites dimensions, relativement carrées, qui sont des salles de banquet. Ça veut dire que dans ces salles, on se tient sur des lits le long du mur. Et la salle est relativement petite. Il y a une entrée centrale ici. Et puis on est, en gros, ça fait une douzaine de personnes par salle. Donc ce n'est pas les immenses fêtes, ce n'est pas la fête de la bière à Munich ou les grandes aïolies marseillaises. C'est un espace collectif, mais fragmenté, qui maintient les gens à portée de vue et de voix. Vous avez ici une musicienne, c'est une restitution, elle vaut ce qu'elle vaut, il y a des problèmes, mais en gros, elle donne une bonne idée de la manière dont se constitue cet espace commun, qui est un espace dans lequel chacun voit tous les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe au banquet, au synposium? Le mot grec, c'est vraiment l'idée d'être ensemble, syn, et de boire la possis, symposion, c'est la consommation partagée du vin.
Donc ce vin qui est mélangé dans un cratère. Et on a quelques images rares. J'ai dit tout à l'heure le cratère corinthien par quoi j'ai commencé, qui date du tout début du VIe siècle, est une des rares images qui associe le sacrifice, enfin la découpe de la viande et la boisson. Celui que je suis en train de vous montrer, qui est béotien, qui est un tout petit peu postérieur dans le temps, ce qui m'intéresse, c'est un vase complexe, il y a des animaux ici, il y a des boxeurs, il y a une gorgone qui court, et ses petites sœurs courent et percées de l'autre côté. Donc il y a tout un programme que je laisse de côté, et je m'intéresse à ces trois panneaux. Donc le premier représente un énorme porcin, avec une procession qui suit. Le vase est abîmé, mais on a un musicien, là, un joueur d'olos, et puis des gens qui portent des rameaux en offrande. Et cette procession se dirige vers un autel. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On sacrifie des animaux et on fait en sorte que l'animal ait l'air d'être content et d'accord pour y aller. C'est ce que l'image montre. Dans la réalité, je suppose que le cochon, il fiche le camp, qu'il pousse des cris, qu'il n'est pas d'accord. Mais le symbolisme de l'ensemble, c'est que c'est bien sûr une violence, c'est bien sûr même un meurtre, et dans la mythologie, c'est pensé comme tel. Et il y a des histoires dans la mythologie pour lesquelles on juge le meurtrier en faisant sorte de dire que le meurtrier, c'est le couteau. Donc personne n'est responsable, c'est le couteau qui a tué le bœuf. Mais pour en revenir à notre image ici, donc on a d'abord cette procession sacrificielle, ensuite une scène que vous reconnaissez, donc des personnages sur des lits avec des tables, le cratère du vase, du mélange du vin et la distribution du vin dans les vases à boire. Donc le sacrifice, le symposium. Et la troisième scène représente des danseurs assez déjantés, à la fois graphiquement, mais même dans leur gestualité. Et ils dansent au son de cette même musique qu'on a donc retrouvée trois fois, hein, à la fois dans le sacrifice, dans le komos et au banquet. C'est un point important que sur lequel je reviendrai dans un moment. Il y a dans cette culture grecque archaïque une place essentielle qui est faite à la musique, au chant, à la poésie chantée. Et une grande partie de la culture poétique grecque archaïque, elle est faite pour le banquet. Alors on va laisser un petit peu le bouzouki s'exprimer. Non, je vous en prie. Donc cette musique, elle est fondamentale, elle est perdue pour nous, on ne l'entend pas, sauf par chance aujourd'hui, mais sinon, ça ne peut être qu'une reconstruction. Mais les trois moments qui nous importent, donc c'est la pompée, la procession, le komos, le cortège des gens qui vont aller au banquet ou qui en reviennent, donc une espèce d'errance un peu d'ivrogne dans les rues, et ensuite le symposium proprement dit. Ce mot de komos, il donne aussi son nom à la comédie. Donc c'est pareil, c'est le cortège du chœur qui chante et qui danse et qui va aller au théâtre. Donc ce sont des moments vraiment essentiels dans la vie culturelle de ces groupes. Alors ce vase est béotien, mais on a quantité de vases attiques qui tournent autour de cette même idée. Et j'en prends un autre ici qui est postérieur, qu'on peut dater du début du 5e siècle, qui est encore un vase à mélanger le vin, donc avec une grande ouverture. Des anses verticales, c'est un vase une quarantaine de centimètres de haut, il se trouve aujourd'hui à Oxford, qui représente de la même façon les lits, avec des personnages masculins, une femme qui sert à boire et qui fonctionne comme servante, elle ne participe pas au symposium, sauf comme de manière instrumentale, et puis des tables sur lesquelles il y a des morceaux probablement de pain ou de viande, et puis ces paniers qui sont comme des paniers de pique-nique, donc les détails sont très précis sur l'image. Et donne tous ces éléments de cette convivialité autour du vin ici essentiellement, puisque le buveur tend sa coupe et elle va la remplir avec son énokoé. Ce qui est intéressant, c'est que sous chacune de ces anses, on rencontre un objet particulier. Ça, c'est le revers du même vase, donc des coupes à boire, des aliments, la gesticulation vers les autres personnages, donc des gestes de conversation et d'échange. Et puis, sous les anses, d'un côté, ce cratère, donc vase à mélanger le vin et l'eau, qui est le point de départ de la distribution entre les buveurs. Et au-dessus, le même panier à pique-nique qu'on a vu sous les tables. Donc le panier qui sert à chacun à porter sa coupe et quelques amuse-gueules. Et symétriquement à ce cratère, de l'autre côté, on a ici un objet en pierre qui est un autel. Alors le vase est très abîmé, donc la forme est incomplète, mais
vous avez là sous les yeux un autel qui, du point de vue du peintre, est symétrique du cratère. Le sacrifice et le vin partagé. Donc de nouveau, ces deux éléments en écho. Mais comme je l'ai dit, évidemment, massivement, le thème le plus fréquent pour les peintres de vases, c'est ce qu'on fait avec ces vases, et donc essentiellement le symposium, sous un peu toutes ses formes, c'est-à-dire à la fois la danse, la musique, le chant, des jeux, du banquet, et c'est ce que je voudrais maintenant regarder avec vous. Alors, je commence par... on a beaucoup de coupes à boire, qui sont ici à figure rouge, on est au début du 5e siècle, et sur ces coupes, on voit toutes sortes de choses. Ici, je vous remontre, en attirant votre attention à ce qui se passe sous les anses, d'un côté un autel avec la flamme, et de l'autre, une amphore à transporter le vin. Donc là encore, cette symétrie est rappelée, avec au centre de l'image un cratère et des personnages qui ne sont pas encore installés sur leur lit. Donc l'espace qui est représenté ici n'existe pas vraiment sous cette forme. C'est une espèce de montage, d'assemblage, à la fois du comos, de la danse, de la procession des personnages qui se rendent au banquet, et puis de l'objet focal du banquet, qui est le cratère, dans lequel ces deux personnages sont en train à la fois de puiser le vin, et puis lui n'est pas en train... Ce que vous avez là, c'est, vous reconnaissez peut-être les cailles d'une carapace de tortue, c'est une lyre, donc la caisse, c'est une tortue, et puis les deux longs montants et les cordes servent à jouer de la musique et de chanter la poésie. Il n'est pas en train de tremper sa lyre dans le cratère, évidemment pas. Simplement, le peintre a associé trois choses, le vin collectif, le vin individuel et le chant et la musique. Et c'est ça qui sont les ingrédients essentiels du symposium. Il y a d'autres ingrédients, mais si on détaille les objets tenus, ici, ce personnage tient une outre à vin, un ascos, donc du vin pur. Celui-ci tient une corne à boire, qui est un objet intéressant, puisque ça existe dans beaucoup de cultures, des objets à boire qu'on ne peut pas poser. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont pleins, il faut d'abord les vider, et seulement ensuite on peut les poser. C'est une incitation à boire davantage, évidemment. Et c'est ce que vous avez ici. De l'autre côté, vous avez trois jeunes gens, dont l'un est en train de, je dirais, tomber la veste, de se dénuder. Et on est dans des jeux qui nous orientent vers les pratiques érotiques des Grecs, qui sont homosexuels, avec une grande admiration pour la beauté des corps juvéniles masculins, le modèle esthétique étant celui de l'homme. Ça pose plein de questions et on pourra les poser tout à l'heure si vous le souhaitez. Je prends une autre coupe à figure rouge qui est également construite autour d'un cratère d'un type un peu différent, mais ça reste le vase à mélanger le vin et l'eau, sur lequel on lit l'inscription « Kalos », qui dit la beauté des jeunes gens. Donc un des éléments fascinants dans le banquet du 5e siècle, c'est l'érotique masculine. Et puis les autres objets, c'est un vase à boire, la lyre qu'on a vue tout à l'heure, le barbiton. Ici, c'est un étui à holos, à flûte, la double flûte que je vous ai montrée dans plusieurs de ces scènes. Donc la musique est présente sous forme d'objets qui matérialisent cette dimension sonore qui, évidemment, échappe à l'image. En image, il n'y a pas d'autre moyen de faire entendre des sons que de mettre des éléments indicateurs de cette sonorité. Donc soit les instruments, soit la parole chantée, des choses de ce genre. Et puis ici, le jeune homme qui à la fois tient l'énokoé de la distribution et le vase de la consommation. Donc ce sont des images relativement minimalistes. Hein, les vases grecs archaïques à figure noire, à figure rouge, ne représentent pas de paysage, ne décrivent pas le fond et le décor. On ne sait pas très bien dans quelle pièce on se trouve. Il a fallu que je vous montre une restitution à Olynthe pour qu'on comprenne mieux. Mais en tout cas, les simples objets forment une espèce de lexique de la pratique et disent un petit peu ce qui est en train de se passer. Et je continue dans cette même veine avec une autre coupe des mêmes années qui représente des buveurs cette fois installés. Ils sont allongés au sol. Et entre hommes, toujours, il n'y a pas de femmes, ils sont couronnés avec des bandelettes qui se déploient autour de leur tête, manipulant des vases, des coupes, des skiphoïs, et un petit jeune homme, cette fois ce n'est pas une femme, c'est ce que les Grecs appellent un païs, un garçon, comme on dirait garçon au café,
Donc il n'est pas participant, il est un accessoire et il vient distribuer le vin aux buveurs. Ce qui est remarquable ici, c'est que la prédelle, la bande au niveau du sol, représente en silhouette, donc dans une technique différente, on n'est plus en figure rouge, on est en espèce de, c'est même pas de la figure noire, c'est de la silhouette, une série d'objets de plusieurs types. Ce que vous avez là, ce sont des chaussures, mais ceci, ce sont des coupes, des vases à boire, un vase à verser, celui-là, c'est le même que celui-là, et celui-ci, c'est un skiffos de ce type-là, mais qui est muni d'un sexe masculin. Et là encore, on retrouve cette obsession du corps masculin, de l'érection, et on en verra, je ne vais pas insister, mais c'est une dimension qui est tout à fait importante. Donc le symposium, là, boire ensemble, c'est entre hommes adultes, ils sont barbus souvent, désirant des jeunes gens, en effet, buvant et chantant. Et je donne ce que je vous montre là, c'est une face et l'autre du même vase. Je n'ai pas les deux photos en couleur, mais c'est le même. Vous voyez que ça se continue. Et on retrouve d'autres vases à boire. Et puis, surtout, le détail qui m'intéresse, donc on a vu ce petit jeune homme. Et on voit ici un personnage de face en train de jouer de ce double holos. Donc ce n'est pas vraiment une flûte, c'est un instrument qui fonctionne plus comme un hautbois, un instrument à hanches, qui déforme le visage, qui fait gonfler les joues. Et on le voit ici. Et en jouant de l'holos, il accompagne le chant de ce personnage qui a la main posée sur le front, la bouche ouverte. Et je reviendrai sur ça. C'est un geste qui, à nous, paraît bizarre. On a plutôt tendance à penser que pour chanter, il faut se servir de son diaphragme, d'ouvrir le coffre et pas de tirer sur les cordes. Mais le geste grec, c'est bien celui-là. Et on verra des images très précises à ce sujet dans un petit moment. Mais en même temps que l'holos, la lyre, avec donc la musique. Celui-ci peut à la fois jouer et chanter, alors que celui-là ne peut que jouer et accompagne celui qui chante. Vous vous rappelez, c'est l'histoire d'Apollon et Marsyas. Marsyas est un satyre qui récupère l'holos inventé par Athéna. Athéna invente cet instrument pour imiter le cri des gorgones. Enfin bon, c'est une longue histoire, je ne vais pas avoir le temps d'aller jusque-là. Mais c'est Marsyas qui en joue et qui prétend être meilleur musicien qu'Apollon. Et Apollon ne s'en débarrasse qu'en imposant à Marsyas de chanter en même temps qu'il joue. Et ça, évidemment, c'est impossible. Et donc Marsyas perd et il s'est écorché, dépecé par Apollon. Mais bon, il faut avancer. Je reviens sur une autre image où on retrouve ce simple jeune homme, le païs, avec, en somme, les trois vases qui forme la trilogie indispensable pour un symposium, le vase du mélange, le vase de la distribution et le vase de la consommation. Et on a plein de coupes à boire qui représentent des gens qui boivent là, sur des coupes. Donc ce caractère réflexif de l'image sur les objets du banquet est assez fréquent. Il n'y a pas que ça sur les vases. Je vous invite à aller au Louvre, à la galerie Campana, vous verrez qu'il y a de tout. Mais une bonne part de l'iconographie du 5e siècle tourne autour de cette activité. Donc voilà l'intérieur, et l'extérieur du vase reprend un dispositif que je n'ai pas besoin de décrire en détail, toujours le même, les personnages allongés au sol, ils ont quand même droit à des matelas ici, l'un est en train de boire, ceux-là boivent, celui-là joue de l'holos et celui-là est en train de chanter. Même chose ici, avec un dispositif que je trouve très intéressant, parce que l'ensemble de la coupe, vous voyez d'un côté ici, on a trois lits de banquet, avec des hommes et des femmes, qui sont ça se discute. Je considère que ce sont des étaïres, donc des femmes qui ont été louées pour la soirée, qui viennent tenir compagnie aux hommes, et qui sont, des instruments. Elle est en train de se dénuder pour se mettre sur le lit du personnage. Si je vais de l'autre côté du même vase, l'une d'elles joue de l'holos, donc la joueuse de flûte, l'étaïre ou la prostituée, comme vous voudrez l'appeler, ou bien la femme qui est ici. Le vase est très abîmé, mais je l'ai gardé parce que le personnage qui est là, il est en train de vomir. Je suis désolé, ce n'est pas une bonne heure pour discuter de ça, mais c'est un peu le résultat. Si vous buvez trop, y a des conséquences physiques que le peintre n'hésite pas à représenter ici. Le vase qui est là, c'est celui dans lequel notre personnage est en train de vomir. Si je prends un peu de recul et qu'on voit l'ensemble de ce vase,
On peut faire plusieurs observations. La première, on retrouve un cratère en position sous l'anse, mais il faut l'imaginer au centre de nos buveurs. Donc ce cratère, c'est le vase commun, et puis les coupes, ce sont des vases individuels. Donc on est bien dans le symposium et le partage. Il y a ensuite une espèce de scénario d'une femme qui se dénude, qui s'allonge avec un peu l'homme qu'elle embrasse, ou qui joue avec lui. Et puis ici, on voit peut-être un peu mieux les traces du vomi, et surtout, on voit bien le commencement et la fin de cette circulation. Ça, c'est un premier point. Mais il y en a un second. Je vous ai montré tout à l'heure les salles de banquet qui sont carrées et dans lesquelles on est tous égaux les uns par rapport aux autres. Il ne se passe rien dans votre dos. Chacun peut voir tous les autres. On est à portée de voix et de main. Et donc, il y a un véritable échange et partage visuel et verbal qui se fait dans des salles de banquet qui sont à cette mesure-là. Ce que cette coupe est en train de faire sous la forme d'un disque et non plus d'un carré, c'est de reproduire exactement cet espace commun. Tous les lits sont à égalité, tous les personnages sont à égalité, et sur un cercle, l'égalité de chaque point du cercle est encore plus évidente. Donc il y a cette insistance à montrer ça. Sur un vase à boire individuel, on représente une communauté en train de boire et de s'exercer à tous les plaisirs du banquet, à la fois du vin, de l'érotique, du chant, de la musique. Alors, et à quelques jeux également, puisqu'on le voyait ici, là, cette femme, elle tient son vase bizarrement. Elle a passé le doigt dans l'anse et on a l'impression qu'elle est en train de le tenir comme ça, ce qui n'est pas la façon la plus évidente. Ça correspond à un jeu qu'on appelle le kotabos. Alors, ça, on le connaît par des textes qui nous expliquent que au banquet, on peut jouer à viser une cible qui tient en équilibre, il y a plusieurs formes de cibles de ce type, et que si on réussit à dégommer cette cible en ayant fait un vœu, ce vœu sera exaucé. Et la plupart des vœux qui sont faits dans ce jeu, c'est d'être aimé de quelqu'un ou d'avoir droit à embrasser son voisin ou quelqu'un. Donc c'est à la fois un jeu avec le vin autour de l'érotique. Et le geste est absolument typique ici. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte, d'où il sort ça? On le voit très souvent, le revoilà ici, lié au chant, à la musique, avec encore nos vases en silhouette. Et on le retrouve surtout dans un vase qui est malheureusement pas visible en public, dont j'ai fait ce dessin, mais que je connais par des photos, qui représente la même chose, une série de banqueteurs en cercle, avec ce jeu. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ici le mot « kalos ». Même chose ici, calé au féminin. Ils sont en train de jongler avec leur vase. Et la cible, elle est sous l'anse ici. Elle est ici. C'est une espèce de trépied avec un oiseau qui se tient en équilibre sur une pointe. Cet oiseau, il a une tête qui est un phallus. Donc la dimension érotique, elle est absolument explicite. Et sur la base, on lit le mot inscrit « kotabos ». Donc c'est pas moi qui projette, c'est écrit dessus. Donc là, on est sur un terrain relativement solide, et on voit que ce jeu du kotabos, qui est un des jeux, il y en a d'autres, je n'entre pas dans tous ces détails, mais on voit qu'au banquet, il y a des distractions, il y a des jeux, on ne se contente pas de boire. Il y a deux textes que nous connaissons bien, l'un c'est le banquet de Platon, et l'autre c'est le banquet de Xénophon. Dans ces deux textes, on voit effectivement, chez Xénophon, arriver des danseurs à la fin qui reproduisent l'histoire de Dionysos. Et on voit dans celui de Platon, au tout début, qui disent « on a déjà beaucoup picolé hier, donc on va y aller doucement. Et donc aujourd'hui, on renvoie la flûtiste à la maison. Il n'y aura pas de flûtiste, on va juste discuter. » Et le thème du banquet de Platon, vous vous rappelez peut-être, et sinon je vous invite fortement à aller le lire, c'est l'amour. Il y est question d'éros et sous toutes sortes de formes. Donc c'est vraiment ça l'enjeu de cette culture du 5e, 4e siècle. On a un très bel exemple de ça sur ce vase qui est malheureusement fragmentaire, qui est aujourd'hui à Munich, signé de Fronios, qui représente ces mêmes lits de banquet avec un buveur de face, un autre jeune homme qui s'adresse aux voisins, pareil, un couple. Vous voyez que c'est des couples, adultes barbus, jeune homme, adulte barbu, et une musicienne qui joue de l'holos. Quand on y regarde de l'autre côté, on voit un cratère du mélange avec des païdes qui apportent une amphore de vin. Ils sont trois, hein, un, deux et trois. Lui apporte le vin pur, lui puise pour distribuer et lui se retourne vers les buveurs pour dire « on arrive tout de suite ». Il y a plein d'éléments là très intéressants. Ça, c'est
un support en bronze avec une petite lampe et puis des louches qui servent aussi à puiser le vin et ici un filtre qui sert à enlever les impuretés. Donc les détails techniques sont précis, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est ce qui se passe du point de vue de la communauté. Et ce qu'on voit, c'est que le détail de ce couple-là montre que la musicienne, la joueuse de flûte, qui s'appelle Suko, accompagne le chant de ce personnage qui a la bouche ouverte, et qui, de sa bouche, on voit émerger une série de lettres qui se lisent « Apollon set ekai », donc « O Apollon, toi et la bienheureuse », probablement Artemis, donc le chant n'est pas terminé. On ne sort pas de la BD, et en même temps, on n'y est pas du tout. Le texte ici fait partie du corps du personnage. Il n'est pas isolé par une bulle qui ferait que ça, c'est de l'écriture et ça, c'est du dessin. Non, l'écriture fait partie du dessin et elle dessine la trajectoire de la voix qui chante. Et le chant au banquet est extrêmement important. Ici, on a affaire à un chant en l'honneur des dieux, un péan, O Apollon, donc qui est le dieu musicien par excellence. Il y a d'autres exemples, je voudrais en passer quelques-uns en revue, il n'y en a pas des centaines, mais ils sont tous très intéressants. On a ici un personnage sur son lit de banquet, appuyé sur un coussin, qui tient des espèces de castagnettes, des crotales, donc la musique est présente. Il est en train de chanter, et on lit assez facilement, j'espère, « O Paidon Calisté », donc « O le plus beau des jeunes gens », Païs toujours, ce désir pour des jeunes garçons. Et il est en train de caresser un lièvre. Alors, bizarrerie, les lièvres au banquet, il n'y en a pas tant que ça. En revanche, le lièvre, dans la symbolique animale des Grecs, c'est un animal qui est extrêmement fertile, qui se reproduit, donc qui est fortement érotisé, et qui fait partie des dons amoureux. Quand vous voulez faire plaisir à un jeune homme, le séduire, vous ne lui offrez pas des chocolats ou une montre, vous lui offrez un lièvre. Donc, on ne pose pas des lapins, mais on offre des lièvres. Et ici, cet objet fait signe. Il dit à la fois le jeune homme absent et le jeune homme désiré, le cadeau possible. Donc il y a entre le chant et le geste la figure du partenaire érotique qui est absent de cette image. C'est ici un tout petit peu plus explicite. On a de nouveau un chanteur. Et vous voyez que ce geste-là, la main sur la tête, il est associé à la bouche ouverte et à l'écriture qui se lit « ou dunam ou ». Et bon, c'est le « dunam ai »,« je ne peux pas ». Alors, « je ne peux pas », quoi ? On ne sait pas. C'est rapproché d'un texte de Sappho qui dit « je ne peux pas rester devant toi sans être amoureux ». C'est probablement, peut-être pas la citation expresse du texte que nous avons de Sappho, mais quelque chose de ce genre-là. En tout cas, le début d'une poésie amoureuse. Même chose ici, on a... un vase qui est au Louvre, avec juste sur le col la figure isolée d'un personnage allongé, comme on l'est au banquet, en train de chanter, avec sa lyre, vous voyez la tortue de nouveau, la lyre. Il y a une inscription là qui se lit « Léa Gros Kalos », qui a une adresse à un beau jeune homme, mais ce qui m'intéresse, c'est celle qui part de sa bouche et qui se lit « Mameo Kai Poteo ». Donc je regrette et je désire. Potos, c'est le désir. Donc là encore, on est dans un chant amoureux. Et puis un dernier, je crois, sauf erreur, parce que je n'ai pas voulu vous assommer avec trop de choses à la fois, mais on a ici, non, ce n'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier, toujours sur un lit de banquet, un personnage qui s'est allongé, qui a enlevé ses souliers, qui a laissé sa canne et son panier, donc on voit que ces objets marquent, il vient de dehors, il s'est installé, il tient un vase à boire, il tient une branche à la main, et il chante quelque chose qui se lit pile kai, et pile plutôt filet. Donc, philein, c'est aimer, aime, et pareil, c'est le début du chant, on n'a pas une phrase complète. Mais la manière dont il chante et l'objet qu'il tient correspond à un mode qu'on connaît par des textes, dans lequel on ne dit qu'au banquet, l'exercice, enfin le jeu, ou appelez ça comme vous voudrez, la pratique, c'est de entamer un chant en ayant un rameau à la main, le passer au voisin et le voisin enchaîne. Donc dans cette salle où on était 12, je commence et le voisin doit connaître le chant que j'ai commencé. Ou sinon on a improvisé un qui s'adapte à ce par quoi j'ai commencé. Donc il y a là un jeu, non pas peut-être de création collective, mais en tout cas de remémoration collective. Il y a un savoir partagé, une culture poétique
qui est commune au groupe de personnages qui se rassemblent et qui sont capables, en effet, d'enchaîner et de jouer avec ces citations. Et c'est un jeu à choix multiples parce qu'on peut soit continuer, soit se servir d'un mot pour embrayer sur autre chose. Donc c'est un jeu extrêmement ouvert de références culturelles, de mémoire collective à l'intérieur du symposium. C'est important pour nous parce que, d'abord, ça explique la grande richesse de la poésie lyrique archaïque grecque. Elle est essentiellement faite pour le banquet et elle s'est conservée parce qu'elle est pratiquée de cette manière-là. Elle confirme cette notion sociale d'une mémoire collective, de quelque chose qui est partagé entre tous ces citoyens. Et c'est cette capacité à reproduire ces chants qui fait de vous un citoyen. Je suppose que si je me mets à chanter, je ne sais pas, je ne vais pas le faire, hein, rassurez-vous, mais si je commence avec « Au marché de Brive-la-Gaillarde », peut-être certains d'entre vous qui ont mon âge pourront embrayer sur Brassens, d'autres peut-être pas. Et si vous chantiez une chanson, enfin, les chansons, elles datent les générations. Et on est dans quelque chose de cet ordre-là. Il y a des savoirs communs. Simplement, chez les Grecs, ça se passe au banquet et pas au karaoké, on va dire ça pour simplifier. Je termine sur le chant avec cette dernière image, à la fois parce que, comme vous le voyez, ce sont encore des banqueteurs avec la coupe qui passe, mais il y a une épée, ici un bouclier et des knémines, donc il y a des références au statut de guerrier et pas seulement de citoyen, et en même temps un personnage qui chante et qui chante la même chose, un hymne à Apollon, ô Apollon. Et juste pour rappeler que ces citoyens, donc c'est une convivialité purement masculine, à Athènes en tout cas. Ce sont des hommes adultes, quelques jeunes gens, pas de femmes, pas d'enfants évidemment. Même si on est dans la maison, c'est réservé à une espèce de club d'hommes et assez exclusif. Et puis je voulais vous le montrer aussi parce que ces fragments sont à la Bibliothèque nationale, donc ils sont dans le cabinet des médailles. Peut-être vous êtes passé de l'autre côté, rue Richelieu. Il y a là une collection de vases qui, pour l'instant, n'est pas accessible, mais qui sera, j'espère, dans 2-3 ans, de nouveau visible. Et c'est un des objets les plus remarquables de cette collection, même s'il est fragmentaire. Alors j'en viens maintenant, et très rapidement, à une espèce de contre-épreuve de ce que je vous raconte. Le banquet et le symposium sont des moments de convivialité, de partage, d'égalité entre les citoyens. Alors, à Athènes, dans une démocratie qui n'est pas aussi démocratique que ce que nous aimerions penser de la démocratie, il y a des esclaves, les femmes sont exclues, donc ce n'est pas tout à fait notre démocratie, mais elle se veut égalitaire. Et on considère le moment du banquet comme un moment d'hospitalité. Ça met en jeu deux notions extrêmement importantes dans le monde grec et, je dirais, même dans le monde moderne. La première, c'est celle de la xénia. Xénos, en grec, c'est l'étranger. C'est aussi l'hôte. Le même mot désigne celui qui n'est pas de chez nous et celui qu'on accueille, en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais qui est cet étranger qui arrive chez vous. Et il se pourrait même que ce soit un dieu qui voyage, qui toque à la porte et qu'il faut absolument recevoir dans les règles de l'art. Donc ça, c'est la règle absolue. Et encore aujourd'hui, les Grecs sont assez xénophile d'une certaine façon. L'autre terme qui est important dans ce dispositif social, c'est cette notion de charis. La charis, qui a donné dans le vocabulaire chrétien la charité, ça n'a pas grand-chose à voir avec la charité. La charis, c'est d'abord la grâce. C'est quelque chose de beau, c'est une forme d'élégance. Et cette charis, les charites, qui sont des divinités, elles sont trois. C'est celle qui donne, celle qui reçoit et celle qui rend. C'est ce processus du don et de l'échange, là encore. Et donc, la charis, elle ne peut pas se limiter à une étape. Il ne s'agit pas juste de donner ou de prendre, il s'agit d'entrer dans ce système. Et je voudrais là montrer quelques images de deux mythes qui problématisent ces notions parce qu'elles ne respectent pas cette notion de charis. Je commence par les noces de Pirithoos. Pirithoos, c'est un roi des Lapithes en Thessalie, qui invite à son mariage toute sa parenté. Et dans sa parenté, il y a les centaures. Les centaures, ce sont des hommes chevaux, comme vous savez, dont l'histoire est longue, je n'ai pas le temps de vous la raconter en détail, mais disons qu'ils sont le produit d'un accident. Ils sont descendants d'Ixion. Ixion, c'est un roi
qui a, au moment de son propre mariage, refusé de donner la dot à son beau-père et qui, au lieu de donner cette dot, a tué son beau-père. Donc là encore, la charisse n'a pas du tout fonctionné. Et Ixion est donc souillé par ce meurtre, se réfugie auprès de Zeus. Auprès de Zeus, se remet à draguer Héra. Donc, enfin, il se comporte très, très mal. Il ne respecte ni la Xenia, ni la charisse. Et il finit par, croyant s'accoupler à Héra, s'accoupler à une pseudo-image d'Héra, une nuée, néphélée, une nuée, d'où va naître un Kentauros qui va s'accoupler à un cheval. Bref, l'origine des centaures, elle est liée à la négation des lois de l'hospitalité et des lois de l'échange. Et ces centaures, ils sont invités aux noces de Pirithoos. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Deux choses qui ne se font pas. Donc je vous montre ici, il y a plein d'exemples, mais un grand cratère, donc encore un vase à mélanger le vin et l'eau. La scène principale qui représente des Amazones ne m'intéresse pas pour aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici. Vous devinez, j'espère au moins, une série de lits de banquet, mais personne n'est en place sur son lit. Tout le monde s'est levé. Il y a les centaures qui essayent de s'emparer, qui se battent. Il y en a un autre ici qui se bat avec un pilon face à un grec qui utilise une broche. La table a été cassée, renversée. Le vase a mélangé le vin est là. Et ça continue de l'autre côté. On a ici Thésée, qui est le cousin de Pirithoos, qui vient se battre contre les centaures, qui se protège, non pas avec des boucliers, mais avec les coussins. Et lui, avec une broche. Donc ces broches qui servent à retirer la viande du sacrifice, vous vous rappelez, elles deviennent des armes dans cette bataille, qui est une bataille qui pulvérise les règles de l'hospitalité et de la Xenia, parce que les centaures sont devenus fous en ayant bu du vin. Le vin est un pharmacon, un remède et un poison. En l'occurrence, c'est un poison. Les centaures retombent dans cette violence originaire qui ne respecte rien et ils essayent de violer la mariée. Et dans un mariage, et même pas dans un mariage, ça ne se fait pas. Donc ça dégénère et Thésée doit intervenir. Je vous donne rapidement le dessin d'ensemble de cette frise. Donc avec, on voit mieux ici les broches qui deviennent des armes, la table qui est tombée et le combat avec au centre Thésée, le héros athénien qui vient un peu rétablir l'ordre ou en tout cas arrêter ce désordre. Il y a un autre exemple ici avec ce même Thésée. Vous voyez la table ici qui voldingue, un des centaures, une femme qui est tombée à terre et Thésée qui se bat à coups de poing contre un centaure qui utilise le vase du mélange comme une pierre pour l'attaquer. Donc ça, il y a plein d'exemples. Hein. Cette centauromachie-là, elle est fréquente. Vous la retrouverez au fronton d'Olympie sur plein de temples parce que c'est un des paradigmes qui dit l'ordre et le désordre. Ce non-respect de l'échange dans le banquet, c'est une des choses que les Grecs condamnent absolument. Après, il y a une deuxième série de mythes que je voudrais vous montrer, enfin très très rapidement, juste les pointer. J'ai commencé tout à l'heure avec ce vase corinthien qui montrait Héraclès chez Eurytos au banquet, dans un banquet qui se passait apparemment très bien. Et Héraclès, dans la mythologie, c'est un gros, gros mangeur, une espèce de gargantua. Il est constamment en train de rêver de manger du bœuf. C'est un vrai beef eater. Et on le voit ici sur ce vase, accompagnant cet énorme bovidé, dont les cornes sont consacrées par des bandelettes. Il tient un paquet de broches et clairement, et une outre à vin ici, il est clairement en route pour sacrifier ce bœuf et ensuite le manger. Donc on est revenu à notre point de départ. Et c'est la même chose au revers de ce même vase. On a l'équivalent, les bandelettes, les broches, le vin. Et Héraclès qui va aller se faire un bon repas. Mais il y a une histoire mythologique qui est très intéressante, qui se passe en Égypte. Alors, bon, voilà un autre Héraclès au banquet, mais il faut que je me dépêche. En tout cas, là, vous voyez clairement le vin du mélange, les tranches de viande, les petits gâteaux, la coupe, le vase d'Héraclès, Athéna, qui est l'admisseur d'Héraclès, qui le salue, et Hermès, qui l'accompagne. Donc, un Héraclès, on va dire, non pas symposiaste, mais monoposiaste. Très souvent, Héraclès, il mange un bœuf à lui tout seul. Et il est légendaire pour ça. C'est vraiment un glouton. Et l'histoire que je voudrais rappeler, c'est celle-ci. Elle se passe en Égypte, chez le pharaon Busiris. Et elle raconte
Alors, ce n'est pas l'image qui dit ça. Sur l'image, on ne voit rien de ce que je vais vous rappeler, parce que les images ne racontent pas. Les images, elles montrent des éléments qui permettent de se souvenir ou de se référer à quelque chose que vous connaissez ou bien que quelqu'un va vous expliquer, et c'est ce que je vais essayer de faire. On a des textes qui nous expliquent cette histoire. Il y a une sécheresse en Égypte, le pharaon Busiris s'inquiète, consulte un devin, et le devin lui dit, le mieux que... un devin qui vient de Chypre, d'ailleurs, et le devin lui répond, pour rétablir la prospérité et l'eau, il faut sacrifier l'étranger de passage. Alors, première chose, on sacrifie le devin. Et puis, l'étranger, le suivant qui arrive, ça va être Héraclès. Héraclès, qui parcourt tout le monde méditerranéen, arrive en Égypte, et il est accueilli, et il voit qu'on prépare un sacrifice. Et il pense qu'on va faire un bon gueuleton, que ça va être formidable, donc il est très content. Jusqu'au moment où il se rend compte, en arrivant à l'autel, que la victime sacrificielle, c'est lui, Héraclès. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il résiste, l'animal n'est pas d'accord. Et l'animal, il a pris les prêtres égyptiens par les pieds. Il y en a un qui a la tête en bas. Il est en train de s'en servir pour assommer les autres qui paniquaient. L'un résiste avec le maillet qui normalement sert à assommer l'animal. Héraclès a laissé tomber sa massue. Et on a là un personnage qui a les mains levées, qui est très effrayé. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais l'anatomie de ces personnages est très intéressante. Héraclès est vêtu de sa peau de lion et a un sexe masculin relativement modeste. Les autres personnages sont chauves, ont des traits un peu camus et ont des vêtements qui sont féminins. Ces robes-là, c'est des robes de jeunes filles. Mais ces robes, elles sont soigneusement soulevées pour vous montrer que leur sexe sont circoncis. Et ce détail de la circoncision est pour les Grecs très étrange. Ethnographiquement, ça ne tient pas debout. Les Égyptiens ne sont pas plus circoncis que les Grecs. Mais le peintre de ce vase, qu'on appelle le peintre de Pan, invente un exotisme à la grecque. C'est des Égyptiens vus par les Grecs. Les Égyptiens ne sacrifient pas comme ça. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on y voit les détails du sacrifice renversés, non plus dans l'ordre et la tranquillité, mais dans la violence. Et par exemple, le personnage qui est là, il a laissé tomber un panier duquel tombe le couteau qui aurait dû servir à égorger Héraclès. Et au revers, on voit d'autres Égyptiens qui courent avec les tables et les broches et les couteaux du sacrifice et du banquet qui n'aura pas lieu. Ce qui est remarquable dans cette histoire de Xenia pervertie ou inversée, donc l'étranger qui est Héraclès aurait dû être accueilli à la grecque comme un xénos et partager un banquet, devient lui-même l'objet de ce banquet, détruit tout cet ordre, et on a là, dans des catégories entièrement grecques, ça n'a rien d'égyptien évidemment, une lecture du partage et du sacrifice sur le mode du non-respect de l'étranger par des étrangers, du point de vue grec. Je crois que ce que ces images nous racontent, à la fois les précédentes sur la convivialité, l'échange, la charis et la xénia, elles ont des choses à nous dire encore aujourd'hui, je crois, sur quel type de rapport on peut entretenir avec l'étranger qui déboule et dont on ne sait pas bien qui il est. Alors je vais m'arrêter là, j'ai rien à vous offrir à boire, mais peut-être qu'il y aura des questions ou pas. C'est à vous de voir comment vous vous sentez. En tout cas, je vous remercie. J'étais un peu trop long.